L'algèbre linéaire est le premier choc avec une théorie mathématique pour les jeunes étudiants de première année de l'enseignement supérieur. IMT Minalès a conçu ce mot pour vous aider à réviser avant votre entrée en deuxième année de classe préparatoire. Responsable du département mathématiques de l'école des Minalès. Professeur agrégé de mathématiques. Professeur de mathématiques à l'école des Minalès. Professeur agrégé de mathématiques. Coordinatrice des enseignements de maths en première et deuxième année à l'IMT Lille-Douai. Chargée de cours à l'école des Minalès. Professeur de mathématiques. J'ai enseigné en classe préparatoire aux grandes écoles pendant 30 ans. L'algèbre linéaire est une théorie difficile, pourtant elle est très importante puisqu'elle est utilisée dans tous les domaines des sciences de l'ingénieur. Probabilité, statistique, économétrie, mais aussi mécanique, électricité et physique. Aujourd'hui, l'école nous propose un support de révision qui nous permet de réviser la totalité du programme de première année et nous familiariser un peu plus avec ces outils mathématiques. En fin de première année de classe préparatoire, j'avais un peu de mal avec les outils de l'algèbre linéaire que j'utilise maintenant couramment dans beaucoup de matières, notamment la mécanique. Il est donc important pour eux, quelles que soient les études qu'ils poursuivront par la suite, de la maîtriser correctement. On s'est aperçu que le passage à la théorie se faisait surtout à travers le cours d'algèbre linéaire. Nous avons mis en place un MOOC pour faciliter le passage donc du pratique à la théorie. À travers ce MOOC, on a voulu vous fournir un outil pédagogique moderne, dynamique et efficace. Notre MOOC commencera avec la définition des espaces vectoriels et se terminera avec les calculs de déterminants de matrices. Et vous trouverez à la fin de chaque séquence des exercices de difficulté graduelle qui vous permettront de mettre en pratique toutes ces notions. Retrouvez-nous sur FunMOOC.